la vraie raison du pic vibratoire de l'humanité. Vous dépassez les attentes de l'humanité en ce moment. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il est possible pour vous tous de dépasser nos attentes. Vous êtes notre reflet, et nous le comprenons, mais nous savons aussi que vous aurez toujours votre liberté et que vous pourrez toujours faire vos propres choix. Nous voulons simplement que vous sachiez que nous sommes impressionnés, et nous sommes impressionnés par ceux d'entre vous qui sont au service de la lumière et par la façon dont vous vous acquittez de la tâche de maintenir une vibration plus élevée face à tout ce à quoi vous devez faire face au cours de vos expériences de vie. La raison pour laquelle nous pouvons affirmer avec certitude qu'il n'y a rien que vous ayez à accomplir là-bas et que nous savons que les plus grands progrès sont réalisés pour le collectif humain lorsque l'un d'entre vous maintient sa vibration face à une certaine forme d'adversité. Cette adversité peut être un simple désaccord avec une autre personne. Il peut s'agir d'une déception à laquelle vous êtes confronté. Quoi qu'il en soit, si vous êtes capable de maintenir une vibration plus élevée en dépit des conditions, vous faites un progrès gigantesque dans votre voyage. Et parce que vous faites partie de ce collectif humain, vous contribuez au progrès de tous vos compagnons humains. Nous vous suggérons de ne pas vous préoccuper de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, du nombre de personnes que vous atteignez. Au lieu de cela, prêtez attention à la façon dont vous réagissez à ce qui se passe dans votre monde et à ce qui se passe dans le monde, car vous avez la capacité de faire l'expérience d'une vibration plus élevée que ce que les circonstances exigent généralement. C'est votre force, c'est votre super pouvoir. Ce n'est pas votre capacité à déplacer des montagnes avec vos pensées, ce n'est pas non plus, et excusez-nous de dire cela, Yeshua, votre capacité à marcher sur l'eau. C'est votre capacité à être votre moi supérieur face à ce qui est plus bas, vibratoirement parlant, et qui pourrait potentiellement vous faire tomber dans cet état vibratoire plus bas. Votre volonté de ne pas y aller parce que vous vous souciez tellement de votre vibration est louable. Vous pouvez en être très fier et nous vous recommandons de continuer à remarquer les opportunités qui se présentent. Mais pas besoin de fuir ces défis parce que vous voulez en fin de compte faire l'expérience de la vague de cette conscience supérieure. Et la seule façon d'avoir ces expériences de conscience supérieure et de faire l'expérience de ces circonstances vibratoires inférieures. Tout peut être vu sous un angle plus positif et on peut lui donner une signification spirituelle. Vous pouvez trouver un sens à tout ce que vous vivez ou à tout ce dont vous êtes témoin et vous pouvez en tirer profit. Ceux d'entre vous qui sont éveillés le savent bien sûr et c'est pourquoi vous êtes en mesure de recevoir ce message. Nous voulons simplement vous encourager à continuer parce que nous remarquons un pic dans la vibration globale de la conscience collective humaine et nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir ce pic. C'est tout pour l'instant. Nous sommes Timus. Nous sommes le collectif des maîtres ascensionnés et nous sommes toujours parmi vous. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre.